de New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an. Quelque chose à Monopoly, cette ville où il n'arrivait jamais rien, où l'on appelait la police que si l'on avait perdu son chien. Il se passe quelque chose à Monopoly. Cette ville nouvelle, cette ville modèle, avec ses souterrains à l'air conditionné et ses buildings de verre qui filtrent la lumière et ses banlieues chauffées à l'énergie solaire, où il n'y a plus d'été, où il n'y a plus d'hiver. Il se passe quelque chose à Monopoly. Cette ville qui semblait faite pour le bonheur des hommes, qui maintenant aussi, à l'heure de la terreur, on ne sort plus le soir à New York ou à Rome. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Il se passe quelque chose à Monopoly. Il se passe quelque chose à Monopoly. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Banlieue dortoir, on voit des étoiles noires descendre sous la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? Toujours les étoiles noires. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, on change de toit. On n'a pas la virile, mais on fait peur à voir. Les gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Et quand tu vois du sang sur ton arme de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville.
jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, démarrez tout pour la bagarre quand on arrive en ville. Dans la ville souterraine et plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans envie, ça me paraît bizarre. C'est vrai qu'on est débile, c'est plein de fabriques d'espoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville, doucement, doucement, heureux. Et heureux avant tes yeux. On n'a pas tant d'attendre à voir quand on. Quand on viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Si on vit pas maintenant, demain sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va se tout casser. Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard. De peur qu'on écrase les mains pour Jaguar. Préparez-vous pour la bagarre. C'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive en ville, depuis la capitale de l'hémisphère occidental. Ici Roger, Roger, voici le résumé des nouvelles nationales et internationales. Mesdames, messieurs, bonsoir, à la une de ce soir, encore les étoiles noires. Ce mouvement terroriste vient d'allonger la liste de ses crimes gratuits. En effet, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une centaine de personnes ont bien failli perdre la vie. Quand le système d'aération d'un souterrain d'habitation situé dans la zone industrielle a été déréglé par des mains criminelles. D'autre part, une bande de motards portant au front une étoile noire et une mitraillette au poing ont attaqué ce matin le métro aérien. Un convoi armé a été appelé dans la capitale par la police locale pour maîtriser ces étoiles noires qui veulent ébranler le pouvoir. En cette période électorale, nous en reparlerons dans notre éditorial. De temps en temps, je baisse le son de la télévision pour écouter un peu les conversations. C'est fou ce qu'on peut entendre, c'est fou ce qu'on peut voir quand on passe sa vie derrière un comptoir. Dans une conférence de presse qui a fait l'effet d'une bombe, l'homme le plus riche du monde, 0 janvier, célèbre constructeur de gratte-ciel, a annoncé sa candidature officielle aux élections qui éliront le président de l'Occident. En tant que chef incontesté du parti pris pour le progrès, 0 janvier s'est engagé à rétablir l'ordre dans la cité. Voici un court échantillon de ses déclarations. Nous bâtirons le nouveau monde atomique où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Laissons le passé aux nostalgiques. Vivons l'aventure du futur. Si l'on veut éviter de faire que la terre devienne un jour un seul pays totalitaire, l'Occident doit fermer ses frontières à toute influence étrangère. Un autre communiqué qu'on vient de recevoir, signé les étoiles noires, a revendiqué l'attentat d'hier soir. Un certain Johnny Rockford serait l'homme fort des étoiles noires. Moi, les étoiles noires, je peux vous en parler. On les voit tous les soirs à l'Underground Café. C'est ici qu'ils préparent tous leurs attentats sous la direction d'une dénommée Sadia.
une révolutionnaire, une fille à papa qui a des idées bien arrêtées. Mais quand on la voit, on ne dirait pas qu'elle sort de l'université. Regardez-la, la voilà, Sadia. Quand je marche dans la rue, j'entends les hommes qui me ruent. Regardez cette femme qu'elle a eue, c'est une femme comme on n'en voit plus. Est-ce une star en déconfiture? Est-ce une étoile du futur? Regardez-moi cette chevelure, cette chevelure d'un bleu azur. Si vous pouviez me voir toute nue, me voir sous toutes mes coutures, vous ne seriez pas déçus de découvrir ma vraie nature. Vous vendriez votre homme pour dormir dans mes bras, quitteriez vos femmes pour partir avec moi. M'appelez pas madame sans savoir qui je suis. Je ne suis pas une femme, je suis un travesti. Travesti de vos corps, travesti de vos âmes, travesti de vos rêves, travesti de vos rêves, travesti de vos jours, travesti de vos nuits, travesti de vos vies. Vous vendriez votre âme pour dormir dans mes bras. Quitteriez vos formes pour partir avec moi. M'appelez pas madame sans savoir qui je suis. Je ne suis pas une femme, je suis un travesti. Travesti de vos corps, travesti de vos âmes, travesti de vos rêves, travesti de vos âmes. Je suis vos amours blessés, votre jeunesse envolée. Je suis vos blessures secrets et vos haines étouffées. Je suis le sexe démultiplié, je suis la violence personnifiée. Travesti, 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 travesti. Qu'elle est entrée à l'Underground Café, tout le monde s'est arrêté de parler et Johnny Rockford s'est levé. Elle s'est approchée, elle s'est présentée, ils sont restés debout au bar, ils ont parlé très tard. Flashback. J'ai entendu parler de toi et de ta bande de petits copains. Vous faites pas mal de bruit déjà, mais ça pourrait aller plus loin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut briser 0 janvier, c'est l'ennemi numéro 1. Il faut à tout prix l'empêcher de gagner encore du terrain. Moi je fais pas ça pour tes idées. Tu es celui
dont j'ai besoin pour arriver à mes fins. Si tu me suis, tu seras quelqu'un. Tu seras le chef des étoiles noires et nous renverserons le pouvoir. Pourquoi ce nom bizarre des étoiles noires? Parce que dans les souterrains, les étoiles ne brillent pas fort, Monsieur Johnny Rockford. Parce que dans les souterrains, les étoiles ne brillent pas fort, Monsieur Johnny Rockford. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. À partir de ce jour-là, Johnny et Sadia ne se sont plus quittés. Et les étoiles noires ont fait la une des journaux du soir. Au fond, Johnny n'avait qu'une envie, c'était de faire parler de lui. On peut dire qu'il a réussi, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être. Je veux pas travailler, juste pour travailler, pour gagner ma vie, comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. Je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème. De temps en temps, je gratte ma guitare. C'est tout ce que j'ai faire mes 10 doigts. Oh, j'ai jamais rêvé d'être une star. J'ai seulement envie d'être moi. Ma vie ne me ressemble pas. Je travaille à l'Underground Café. Il y a longtemps que j'ai pas vu le soleil. Dans mon univers souterrain, pour moi tous les jours sont pareils. Pour moi la vie ça sert à rien. Je suis comme un néon éteint. Je travaille à l'Underground Café. S'en aller cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie. J'ai juste envie d'être bien. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates.
soleil. Au soleil. Voici maintenant l'émission préférée des jeunes de tout âge, l'émission numéro 1 dans tous les sondages, Starmania, présentée par Crystal, le sourire de Télécapital. Starmania, Starmania, pourquoi lui, pourquoi pas moi, Starmania, qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas, toi, Starmania, voulez-vous jouer avec moi, au jeu de la Starmania, écrivez-moi, racontez-moi, votre vie, vos envies, et dites-moi qui vous voudriez être, et qui invité d'aujourd'hui, 0 janvier, le leader du PPPP, qu'elle est allée rencontrer dans ses bureaux de la Tour Dorée, où il lui a exceptionnellement accordé une interview passionnante et passionnée, dont voici les meilleurs moments. 0 janvier, vous êtes un homme d'avenir. Quel conseil avez-vous donc à offrir à tous les jeunes qui rêvent de réussir? Croyez en vous, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Tous les matins, je reçois un courrier immense des jeunes qui me demandent de leur donner leur chance. Regardez-moi, je suis parti de rien. Chacun doit forger son destin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir j'ai devant moi un homme que toutes les femmes voudraient connaître. Pour un instant, 0 janvier, je vous demanderai d'oublier le businessman riche et célèbre. Ma question, vous la connaissez. Si vous n'étiez pas qui vous êtes, dites-moi qui vous voudriez être. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau à Houdin Tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Au moins êtes-vous heureux. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, ce n'est qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste,
Rotterdam ou à Rio. Soyez brûlés et prince sans peur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir retrouver beau sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste pour avoir dans le monde à refaire, pour pouvoir être un artiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Oh, 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 oh. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. C'est de passer dans cette émission. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie. Il était 4 heures du matin. J'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit viens prendre un café. Et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Ziggy, il s'appelle Ziggy. C'est mon seul ami. Dans sa tête, y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais.
plein des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Moi le smoke c'est ma drogue, je ne peux plus m'en passer. La nature et l'air pur, ça me fait plutôt tousser. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Je suis un maniaque de la télévision, juste en playback comme un bruit de fond. Besoin de bruit même la nuit, sinon je suis un somniaque. Les oiseaux, les crapauds, ça me rend paranoïaque. Besoin pour faire toutou du ronron des motos. Le parfum de l'essence, ça me trouble l'essence. Quand j'ai mal à la tête, fume une cigarette. Je vais faire mon jogging au milieu des buildings, les pieds sur le ciment. Je suis dans mon élément. Les dimanches, je reste à la maison. Je mange ma solo, je me pollue ma fond. Je suis content quand j'entends le téléphone qui sonne. La campagne c'est le bagne, ça manque d'oxyde de carbone. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Je suis un agent de consommation. Quand j'ai de l'argent, je consomme à fond. Je m'endette, je m'achète tout ce qui me passe par la tête. Je me jette comme une bête sur le dernier gadget. Je vis mon petit train-train de citadin moyen. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Bravo, 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 c'est un bon numéro. Ziggy, qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'attendais pas. J'avais envie de te montrer la lettre que je vais envoyer pour passer dans Starmania. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je vais leur raconter ma vie. Est-ce que tu crois que ça suffit, ta vie? Mais ma vie tu la connais pas. Je voudrais leur dire aussi tout ce que je ne t'ai jamais dit. Moi, j'étais un fils à maman. Et tous les soirs en m'endormant, je disais quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant. Dans la belle au bois dormant. Tous les samedis après-midi, pendant que les gars du quartier jouaient au football ou au volley, moi je prenais des cours de ballet. C'est pour ça que t'avais pas d'amis. À 15 ans, ma mère m'a donné au cadeau d'anniversaire tout Tchaïkovski dans un coffret. Moi j'ai couru chez le disquaire le lendemain pour l'échanger. Le premier amour de ma vie s'appelait David Bowie. Sa musique a changé ta vie. Moi j'ai changé mon nom pour lui. T'as changé ton nom pour lui. Oh, oh, oh.
sorti de chez ma mère. Je suis retourné voir le disquaire. Il m'a engagé comme vendeur. Et maintenant je sais ce que je veux faire maintenant. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur de rock. Je veux être un batteur de rock. Le premier batteur au monde. Dissimulé derrière
et Johnny Rockford. Pourquoi les étoiles noires? Votre philosophie terroriste, elle dénaturise tout futuriste. Moi je me fous de la politique. J'ai jamais lu un journal et je m'en prends pas plus mal. Johnny Rockford, un enfant du chômage. Johnny Rockford, que pensez-vous du mariage? Mais qu'est-ce que vous aimez en musique? Quel est votre signe astrologique? Je m'appelle Johnny Rockford. Je suis né dans la banlieue du Nord. J'ai grandi sur les trottoirs. J'ai pas choisi d'être un zonard. Ma mère est devenue folle parce que mon père buvait trop. À 15 ans, j'ai quitté l'école et j'ai pris le premier métro. Sans froid ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je pars rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai jamais travaillé, mais je me suis bien débrouillé. Un jour je me suis retrouvé. C'est là que j'ai rencontré tous mes amis d'aujourd'hui. Quand je sais pas où coucher, c'est là que je passe mes nuits. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dans mes plans, ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas passé. Parce que j'avais envie de vivre ma vie. Quand on s'appelle Cristal, on croit en son étoile. Qu'on vienne d'en haut, qu'on vienne d'en bas, au fond, qu'est-ce que ça change? Je te ressens bien plus que tu ne crois. Moi j'ai toujours rêvé de rencontrer un ange. Je suis venu au monde en criant au secours. Qu'on vienne d'en haut, qu'on vienne d'en bas, au fond qu'est-ce que ça change? Oh.
suis venu au monde en criant au secours. Qu'on vienne d'en haut, qu'on vienne d'en bas, au fond, qu'est-ce que ça change? Je te ressens bien plus que tu ne crois. Moi, j'ai toujours rêvé de rencontrer un ange. Je suis venu au monde en criant au secours. J'ai besoin d'amour. Une foule de 100 000 personnes, disent les organisateurs, et 50 000 personnes, selon les détracteurs, s'étaient rassemblées aujourd'hui dans le grand stade municipal pour écouter Zéro Janvier dévoiler son programme et électoral. Nous prendrons des mesures extrémistes. Nous imposerons le retour à l'ordre. Si on ne peut pas vivre dans la concorde, nous mettrons la capitale sous la loi martiale. Janvier, président de l'Occident. En ce qui concerne la pénurie d'énergie, vous connaissez déjà ma stratégie. Quand nous aurons vidé le fond des mers, nous serons prêts à vivre ailleurs que sur Terre. Notre prochaine capitale sera une station spatiale. Zéro Janvier, président de l'Occident. Cessons de nous ruiner pour le tiers-monde qui nous remerciera bientôt avec des bombes. Assurons d'abord notre survivance. Je suis pour l'Occident, l'homme de la dernière chance. Je suis pour l'Occident, l'homme de la dernière chance. Nous bâtirons le nouveau monde atomique, où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Laissons le passé aux nostalgiques, vivons l'aventure du futur. Mesdames, messieurs, nous interrompons le cours normal de nos émissions. Un bulletin spécial nous apprend que Crystal, le sourire de Télécapital, a été kidnappée au cours de la bagarre où elle s'était aventurée avec sa caméra à neutrons pour tenter de filmer les étoiles noires en pleine action. Vous voyez bien qu'il faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé. Si vous voulez savoir le fond de ma pensée, je crois pas qu'elle ait été enlevée par Johnny. Moi, je pense plutôt qu'elle s'est enfuie. Avec lui. Y a plus d'avenir sur la terre. Y a quelque chose qui tourne pas rond dans le système solaire. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions, à nos prières, à nos prières. Qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? Qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on
danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an. Belle ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Tout le monde a la queue leu-leu. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Monopoly, il n'y aura plus d'étrangers. On sera tous des étrangers dans les rues de Monopoly. Marcherons-nous main dans la main comme en 1980, tous les deux dans dans toute la ville. Ici c'est devenu bien tranquille. Personne n'ose plus mettre les pieds à l'Underground Café. Et moi je lis des magazines où l'on voit la vie en rose, où on roule en limousine et on meurt d'overdose. L'actrice est la spotlight, surnommée la divine. Devant les boucliers de la cause féminine, qui risquait de faire d'elle une passionnariat, a décidé d'abandonner le cinéma après avoir tourné ce film tant attendu. Où pour la première fois on la verra pas nue. Ce film qui s'intitule Boulevard du Crépuscule.
décidément, elle ne craint pas le ridicule. Ce film est un remake du célèbre classique dont elle adaptera le scénario à son histoire. Ensuite, elle se retirera dans sa villa sous les tropiques pour écrire ses mémoires. Baby doll, j'étais votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse, sont venus voir mourir le dernier sexe à bord. Venez tous applaudir à la femme d'une idole. J'ai passé ma vie à ne rien faire de ce qu'on m'a. J'ai passé ma vie à étouffer mes rêves, mes envies. Oh oui. Quand je sors dans la rue sans maquillage, personne ne s'arrête sur mon passage. Même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur lit. Voyez que la surface de ce monde en technicolor. Vous qui rêvez d'être à ma place, venez voir l'envers du décor. Moi ma drogue c'est l'alcool, je suis la vieille école. Je fume du hache, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle. Toutes les nuits je rêve qu'on me viole. Moi qui suis sage comme une image divine qu'on adore et qu'on adule. Une image de magazine sur qui on éjacule. Seul sur mon acrobole, je sens que je dégringole. Je sens que je dégringole. Ce n'était qu'un feu de paille que tout ce show business. Sous le stress, il y avait le stress. Il y avait ma jeunesse. Venez voir mourir le dernier sexe à bord. Venez voir, venez rire à la femme d'une idole. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma goodbye party. Goodbye party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine dorée. Laissez-moi, laissez-moi partir. Laissez-moi, laissez-moi mourir avant de vivre. Vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma mort.
moi mourir avant de vivre. Vous qui m'avez déjà tout pris, venez vous partager mon corps. Oui. Je vous aime et je vous embrasse. Je n'étais qu'un météore. Voulez-vous voir la mort en face? Elle s'habille en technicolor. Qui peut bien m'envoyer cette gerbe d'orchidée accompagnée d'un télégramme? Et c'est signé 0 janvier. Permettez-moi, madame, de vous importuner. C'est avec émotion que j'ai appris votre intention d'abandonner votre carrière pourtant spectaculaire. Laissez-moi vous rappeler ce que vous avez été pour tous les hommes de ma génération. Quand nous étions au front pour sauver la nation. Déesse de l'amour, déesse de la guerre, j'avais votre photo sur moi comme une relique. Vous qui avez guidé ma carrière militaire, voulez-vous présider ma carrière politique? Symbole de nos valeurs et de nos libertés, me ferez-vous l'honneur d'aller à mes côtés? Me ferez-vous l'honneur d'aller à mes côtés? Devant je veux bien m'incliner. Pour célébrer les adieux de la divine, le tout 7e art avait rendez-vous hier soir à la première de son dernier film, grande soirée de gala qui avait lieu au Monopolis Opéra. Stella Spotlight a fait sensation en arrivant à la projection, accompagné de 0 janvier, le célibataire le plus convoité de l'actualité. Sans nouvelles de notre amie Cristal qui, on se le rappelle, a été kidnappée il y a un mois, du moins, c'est ce qu'on croit, par les étoiles noires. J'ai pas vu Johnny ni Sadia depuis ce fameux jour-là. Il paraît qu'il se cache quelque part dans un vieux hangar. Ils peuvent difficilement se montrer avec leur petite amie Cristal. Je dois encore nous préparer un joli scandale. Un joli scandale. Maintenant, ma petite, il va falloir revendiquer ton enlèvement. Je vais rédiger dès ce soir un communiqué détonnant. Je crois que ce serait plus fort d'envoyer à la télé un message qu'on filmerait, où je crierais au monde entier, au secours, j'ai besoin d'amour, au secours, j'ai besoin d'amour.
Moi je dis que c'est elle qui a raison. Laissons le faire à sa façon. C'est là qu'on voit que le petit garçon a bien appris sa leçon. Ok, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends les décisions. Oui, mais dis-moi, j'ai pas envie de jouer les seconds violons. Alors personne ne te retient, tu fais ce que tu veux. Johnny, je te préviens, tu joues avec le feu. Son regard a croisé mon regard comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part ailleurs que sur la terre. J'ai besoin d'amour. Au secours. J'ai besoin d'amour. Comme la terre a besoin du soleil. Besoin d'amour. Comme les étoiles ont besoin des étoiles. Besoin d'amour. Comme le ciel a besoin de la mer. Comme les juste un peu d'amour. J'ai besoin de vous. Comme j'ai besoin de musique. Besoin d'amour. Comme j'ai besoin de lumière. Besoin d'amour. Comme j'ai besoin d'eau. Comme j'ai besoin d'air. Voici donc, tel que prévu, l'interview tant attendue de 0 janvier. Oh là là, je peux pas manquer ça, ça vaut la peine que je m'assoie. Ça va barder là. Ici pour l'interroger, votre ami Roger Roger. Qu'avez-vous de neuf à déclarer, monsieur 0 janvier ? Aïe, 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 aïe. Nous bâtirons le nouveau monde atomique.
où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Mais ne craignez-vous pas que votre politique ne mène directement à la dictature. Un peu de courtoisie, je vous prie, je suis votre invité. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. Vous n'allez pas vous contenter de nous chanter votre slogan. Quelles sont les priorités de votre gouvernement? Je vous parle d'un monde à réinventer. Un monde où il ferait bon d'exister. Où notre priorité serait d'assurer notre sécurité. Parlez-vous d'instaurer un état policier? Enfin, monsieur, voulez-vous m'écouter? Mais que comptez-vous faire contre la pauvreté? Je vous parle d'opter pour notre liberté. Je vous parle d'un monde où tout ne serait plus qu'ordre et beauté, luxe, calme et propreté. Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Nous regrettons, mesdames, messieurs, cet incident malencontreux, mais... Comment ça peut-il arriver? C'est du sabotage organisé! Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Ce message de cristal nous a été transmis par des ondes spatiales dont l'usage est interdit. Décidément, cette Starmania, ça vous fait faire n'importe quoi. Je vous l'avais bien dit que Crystal nous préparait son petit scandale. Quant à Stella, je vous dis que celle-là, elle est vraiment tombée bien bas. Si vous voulez un homme nouveau, c'est Rossé l'âme qu'il vous faut. Tu sais que c'est très important pour ma carrière.
Crystal est devenue une héroïne populaire depuis qu'on a reçu cette photo spectaculaire où on la voit avec Johnny Rockford en costume d'étoile noire. Ce poster est partout en milliers d'exemplaires. Il faut qu'on fasse un coup d'éclat. Depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression que tu recules. J'ai crié dans tous les médias que je partageais ton combat. Je ne veux pas être ridicule. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir quelqu'un à aimer. J'ai peur pour toi, tu sais. On pourrait s'en aller et tout recommencer. J'ai tout quitté pour toi. Ne me fais pas douter de moi. C'est trop tard, on n'a plus le choix. Il faut qu'on fasse un coup d'éclat. J'ai pensé qu'on pourrait faire sauter un supermarché pour offrir à tout le monde une entrecôte flambée. J'ai une meilleure idée. Si on faisait sauter la tour dorée de 0 janvier, on les ferait tous danser au milieu du brasier. Pour des fous, ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout, on se fout de tout, on se fout d'être malheureux, on s'aime encore mieux quand on a rien à faire. Je pars avec toi, j'oublierai qui j'étais. Tu seras la loi. Si je t'enchaîne la voix, tu aimeras tes chats. Je m'accrocherai à toi comme le lierre à un chien. Moi, des souterrains de la Tilaine, on trouvera bien un nom à plaire. Désespérément libre, on nous prend pour des fous. Ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout, on s'en fout de tout. On se fout d'être malheureux, on joue le vrai jeu. Te voilà, j'étais inquiète.
prends ton café et je suis prête. Marie-Jeanne, je regrette, ce soir on n'ira pas danser. Je suis venue t'annoncer quelque chose qui va te faire de la peine, je suppose. Je ne viendrai plus te chercher tous les soirs pour aller danser. Je suis venue t'annoncer que je pars, nos planètes se séparent. Sigir, t'es mon seul ami. Tu sais, j'ai revu Sadia quelques fois. Elle m'a fait engager comme disjockey au Nazi Land, la discothèque de 0 janvier. Qu'est-ce que Sadia vient faire dans cette histoire? Elle a des amis au pouvoir. Alors, elle a laissé tomber les étoiles noires. Je veux savoir la vérité, Sadia travaille pour 0 janvier. Ziggy, tu me fais marcher, dis-moi que c'est pas vrai. Les autres, on vit les
musique apocalyptique. Je m'envole, assis derrière ma console. Oh, assis derrière ma console, je m'envole. À la surprise générale, l'actrice Stella Spotlight vient d'annoncer son mariage avec Zéro Janvier, qui sera célébré dans l'intimité en la cathédrale Notre-Dame des Armées. Le soir, il y aura une réception géante au Naziland, la nouvelle discothèque tournante située au sommet de la tour dorée du complexe commercial Zéro Janvier. Soleil brille au Naziland. Je peux vous dire ce qu'ils vous préparent. Ne soyez pas surpris de les voir parmi vos invités ce soir. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Toutes les entrées sont bien gardées. Ils sont en train de mettre une bombe juste au-dessous de vos pieds. Vous feriez mieux de vérifier avant qu'ils ne puissent échapper. Ils n'en sortiront pas vivants si on arrive à temps. Le soleil brille au Naziland. De 100 étages à cause de Howard et Mahé au 121ème étage. Autour de nous ils tombent des bombes. Plus besoin de creuser longtemps. On est tous des bombes à cause. Mais on s'en fout. Thank you.
pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS de terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau, plus beau de là-haut. La vie avec les bandes dessinées, j'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Nous connaîtrons le résultat des élections. Dans 3 minutes exactement, nous vous révélerons le nom du président de l'Occident. Les candidats étaient nombreux, mais l'un d'entre eux a retenu toute l'attention par ses prises de position. C'est ce soir que nous saurons si, oui ou non, le peuple est avec lui, comme les sondages nous l'ont prédit. La mort brutale de Crystal et l'arrestation de Johnny Roquefort ont donné à Zéro Janvier une réputation d'homme fort qui pourrait lui valoir une éclatante victoire. Il est 20h, vous voyez le vainqueur apparaître sur vos écrans. Zéro Janvier est président de l'Occident. Nous l'apercevons au balcon du comité du PPPP. Stella Spotlight vient d'arriver à ses côtés où elle s'apprête à faire une déclaration. Stella Spotlight, nous vous écoutons. L'honneur de proclamer la victoire de Zéro Janvier, l'homme qui est à mes côtés. Mesdames, messieurs, vous ne voudrez pas y croire, mais
mais après tout, c'est vous qui avez voté. Telle est la volonté de la majorité. C'est beau, Jean-Pierre, président de l'Occident. C'est beau, Jean-Pierre, président de l'Occident. Si vous voulez savoir la morale de l'histoire, rentrez chez vous et regardez-vous dans votre miroir. Ou bien regardez-moi m'accrocher au pouvoir. Voyez où peut mener le désir d'être une star. Tu seras ma victoire, je serai ton pouvoir. À quoi ça sert de vouloir être si beau, s'il ne reste plus rien quand vient la fin du show, que la chaleur d'un spotlight sur la peau. L'univers est un star système. La terre est une poussière d'étoiles. La lune sera mon diadème pour mes noces transsidérales. La voie lactée sera mon voile nuptial. Ma robe de mariée, une aurore. J'ai rêvé d'être immortellement belle. Ce soir j'irai voir à travers le miroir si la vie est éternelle. J'en ai voulu être un artiste pour pouvoir faire mon univers. Thank you.
cache le soleil au milieu de ma nuit. Plus envie de courir comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire comme des châteaux de Bye.